Tu rencontres enfin une fille qui te plaît et t'es ultra enthousiaste à l'idée de la revoir. Tu te fais tout un tas de plans dans ta tête. Tu sais déjà comment tu vas t'habiller, quel parfum tu vas mettre et même l'endroit où tu veux l'amener. Parce qu'après tout, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une fille qui nous plaît vraiment. Alors t'as envie de mettre le paquet. Mais à ta grande surprise, quand tu lui proposes un rendez-vous, elle ne répond pas. Ou si elle répond, elle décline poliment la proposition. Si t'as déjà été dans cette position, tu t'es sûrement posé cette question. Elle m'aimait bien, on s'était mis d'accord pour se revoir et pourtant elle me répond plus. Laisse-moi te dire un secret. Si ça t'est déjà arrivé, c'est entièrement de ta faute. Et je vais t'expliquer comment régler ce problème dans cette vidéo. C'est une question qui revient très régulièrement sur ma communauté et dans les groupes de coaching. C'est ça, je rencontre une fille, elle me plaît, mais j'arrive pas à la revoir. Et le premier conseil que je donne à chaque fois, c'est que t'as probablement pas créé de lien avec elle. Ce que je veux dire pas créer du lien, c'est que t'es en classe, STI2D, excellente filiale par laquelle je suis passé, qui crée seulement des pépites, des gens exceptionnels. Si t'es en STI2D, dis-moi dans les commentaires, on fera une soirée ensemble. Et on parlera de tous nos projets qu'on a fait en techno, voilà. Bref, il y a 30 élèves dans cette classe-là. Même s'il y en a certains avec lesquels t'as plus d'affinité que d'autres, tu vas sentir un certain lien avec eux pour la raison suivante. T'es passé par beaucoup d'émotions, beaucoup d'environnements et beaucoup de sujets avec eux. T'as vu plein de profs, t'as vu plein de thématiques, t'es allé dans plein de salles de cours, t'as même peut-être fait des cours d'EPS avec eux, t'as même peut-être fait des voyages avec eux. Et du coup, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer, mais en tant qu'humain, on se sent proche de quelqu'un d'autre quand on a vécu des choses avec cette personne. Évidemment, si tu vas rencontrer une fille, tu vas pas pouvoir créer le même lien que quelqu'un qui a été dans ta classe pendant un an. Mais par contre, si tu la fais passer par un maximum de sujets, d'émotions et de conversations différentes, eh bien elle va s'en sentir plus proche de toi. Donc je t'invite à appliquer ce conseil dans tes interactions pour créer du lien avec elle. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de donner de la valeur. J'en parle très souvent et c'est ultra important. Si je parle avec quelqu'un, j'ai envie que cette personne se souvienne de moi. Je t'ai expliqué juste avant qu'il faut que tu donnes des émotions dans une interaction, qu'il faut que tu aies de la conversation. Sauf que pour qu'on ait envie de t'écouter, il faut que ce soit dans un paradigme spécifique de donner de la valeur. Si tu regardes un film, t'as pas envie qu'il soit chiant à regarder. Peut-être que le film, l'histoire, elle est folle, le storytelling est incroyable, mais s'il est mal présenté, ça te donne pas envie de le regarder. C'est la même chose quand t'es dans une interaction. Si je parle avec quelqu'un, il faut que je sois captivant, il faut que je sois expressif, enthousiaste. Il faut que la personne soit en train de se dire « passe un bon moment avec cette personne ». Ce qui fait que quand je vais lui envoyer un message, elle va se souvenir de toutes les émotions qu'elle a vécues auprès de moi. Elle va se souvenir à quel point c'était cool comme expérience. Si tu vas au cinéma, tu regardes un film qui est cool, tu te dis « ça perd à l'hypopète ». C'était cool de regarder ce film. J'ai adoré cette expérience. S'il y a un prochain épisode qui sort, j'irai probablement le regarder. Parce que c'était cool. Et t'as envie que les filles que tu rencontres se disent exactement la même chose quand elles passent un moment avec toi. Pour donner de la valeur, fun, détachement, passion, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Si tu veux plus de détails, demande-moi en commentaire. Troisièmement, ne pas être dans le besoin. Il faut vraiment que la fille comprenne que t'as pas besoin d'elle. Et je te dis pas ça pour te faire une vidéo de motivation, Red Pill, oui, Janine m'a quitté, et puis depuis, je suis un dark Sasuke, je refuse toute relation avec les femmes, j'ai pas besoin d'elle, je suis à fond dans ma vie. Non, ça c'est du bullshit. C'est mon destin qui m'appelle. J'accepte un appel du destin même si je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Oui, allô ? Je vais être millionnaire ? Trop cool. 100 000 abonnés sur YouTube ? Alors, montrer à la caméra ? Qu'est-ce que tu veux que je montre à la caméra ? Ah oui ! Pour moi, c'est le destin. À bientôt ! Il me fait ça régulièrement, il me dit ce qui va se passer. Donc comment faire pour pas être dans le besoin? Déjà, il faut que tu identifies toutes les fois où t'es réactif. Donc tu reçois un message et puis t'as une réaction émotionnelle. T'as deux façons de répondre à cet événement. Tu peux soit réagir émotionnellement ou soit répondre en analysant la situation avec toutes les données que t'as et du coup, faire la meilleure action possible. Un ordinateur, il va répondre sans émotion, il va juste faire la meilleure action dans cette situation-là. Un humain, le problème, c'est qu'il va paniquer et puis il va faire n'importe quoi et du coup, il va perdre la partie. Et la partie échec, elle se joue au moment où la fille te dit « Non, je vais pas pouvoir te voir ce soir-là » et que toi, tu fais un long pavé pour lui expliquer toutes les raisons pour lesquelles elle devrait te voir ou toutes les raisons pour lesquelles t'es un mec bien. Il faut pas faire ce genre d'action et il faut vraiment que la fille comprenne qu'à n'importe quel moment dans l'interaction, tu peux partir et que ça changera rien à ta vie.
Et ça, c'est pareil dans n'importe quelle négociation. C'est totalement humain. On n'est pas attiré par les gens qui ont besoin de nous. S'ils ont besoin de nous, on ne peut pas collaborer avec eux. Donc, si tu parles à une fille et qu'elle te dit « on peut pas jeudi soir », je dis « pas de problème, bah on se tient au courant dans les jours à venir ». Et ça va très bien fonctionner. Si tu veux plus de détails sur ça, j'ai fait un post sur Telegram. Donc, tu peux rejoindre le groupe Telegram et puis voir exactement comment je fais. Je te montre, je peux pas montrer sur YouTube et tout. Je te montre une conversation que j'ai avec une fille et quelle réaction est-ce que j'ai à un moment où c'est un peu compliqué. Voilà. Ok. Pas compliqué, mais où j'aurais pu être réactif. Et du coup, au lieu d'être réactif, j'analyse la situation, tac, je fais la bonne action et ça marche. Comme ça, t'as des exemples et t'as aussi des exemples d'autres mecs de la communauté. Enfin bref, rejoins le groupe Telegram, tu vas kiffer, mec. Et le quatrième conseil que je vais te donner, c'est de rester simple. Reste simple, mec. Le problème, c'est quoi? C'est que t'as parlé à une fille dans la rue, dans un bar, peu importe. T'as parlé à une fille que t'as envie de revoir. Et t'arrives pas à la revoir, tu sais pas pourquoi. La réflexion de base que tout le monde a, c'est de se dire « Ah ouais, ça doit être mon text game, je sais pas comment écrire par message. Ah ouais, ça doit être parce que j'étais pas assez musclé, parce que j'étais pas assez beau. Ça doit être parce que j'avais pas assez d'argent, ou peut-être qu'à ce moment-là, je sentais pas assez bon, j'en sais rien. » Et de surcomplexifier les choses, de rajouter plein de détails qui servent à rien. Et c'est quand t'es dans cette mentalité-là, au final, que tu vas répondre un pavé à un message tout simple. Puisque la meuf, elle te dit juste... jeudi soir je peux pas, ça veut rien dire d'autre que jeudi soir elle peut pas. Ça veut pas dire qu'elle a pas envie de te voir, ça veut juste dire jeudi soir elle peut pas. Donc si tu réponds à pavé, là elle aura plus envie de te voir. Par contre si tu réponds ah pas de problème, on peut se voir une autre journée, y a pas de soucis, t'es dispo en fin de semaine, bah souvent ça va bien se passer. Parce que les filles elles ont besoin d'un mec qui est simple, qui se prend pas la tête, qui juste il dit quelque chose, il le fait, il a envie de faire quelque chose, il communique, il a envie de le faire. T'as envie de revoir une fille, dis-lui simplement j'ai envie de te revoir. Te prends pas la tête à trouver des trucs intelligents, à essayer de la manipuler. Les filles comprennent ce que t'es en train de faire, elles comprennent quand c'est de la manipulation, et ça les repousse instantanément. Donc reste simple, sois clair et honnête sur tes intentions, et si tu veux savoir si t'es sur la bonne voie, dis-toi simplement, là le message que j'ai envoyé, ou là la façon de proposer un rendez-vous à cette fille, est-ce que c'était l'expression honnête de mes désirs et de mes émotions? Si c'était le cas, c'est que je suis sur la bonne voie. J'ai envie de te revoir, c'est l'expression honnête de mes désirs et de mes émotions. Par contre, sortir tout un tas d'excuses. Ouais, il faut que je t'apprenne à parler anglais parce que tu parles pas très bien anglais. Viens, je vais te donner un cours d'anglais le mardi 14. Elle comprend que t'as juste peur de lui demander de se revoir et que du coup, tu utilises un jeu de rôle pour la dater à travers un jeu de rôle. Je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, j'ai des élèves qui font ce genre de trucs. Si tu t'intéresses à la séduction et que tu rencontres des filles, t'as forcément fait cette erreur à un moment donné. Donc reste simple et tu vas voir que ça va beaucoup mieux marcher. Donc pour résumer les 4 conseils que je t'ai donnés, crée du lien avec la fille. Tu parles français bien ou... Where are you from? Brazil. Ok. To do the end? Si, você fala português. Ah, ok. Brazil? Yeah. Oh, you speak portuguese? Yeah. Donne de la valeur dans ton interaction pour qu'elle ait vraiment envie de te revoir. Et là, j'ai le cœur qui palpite. C'est peut-être un mélange d'amour et de peur. De la peur, ouais. Plus de la peur, je pense, ouais. Tu vas bien? Ouais, super, et toi? Arrête d'être dans le besoin. Et montre-lui que t'es pas dans le besoin. Et fais pas ça en étant ultra manipulateur et vraiment lui montrer « Oui, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi. » Juste simplement, accepte que si ça se passe mal, ça se passe mal. Si ça doit se passer, ça va se passer. Si ça va pas se passer, ça va pas se passer, c'est pas grave. Et enfin, le dernier conseil que je t'ai donné, c'est de rester simple. Juste, je t'ai croisé, je t'ai trouvé mignonne. Je voulais dire bonjour. Arrête de te prendre la tête, sois simple. Dis-toi comment est-ce que je peux communiquer de la façon la plus claire, intelligible possible mes intentions, en étant très clair sur mes désirs et mes émotions. C'était Nabz, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo comme d'habitude. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, ce que tu aimerais voir de plus. Ce que t'as pensé de mon appel avec le destin, qui, pour rappel, je vous aime tous et toutes. Bisous.